congres, eux aussi, y trouvent repère. Et un même trou peut y abriter ce poisson et le homard, ce dernier se nourrissant des reliefs de repas du congre. Barres et morues peuvent en fin de saison, en même temps, être présents sur une même épave. Mais bien sûr, ce seront toujours les barres qui feront battre plus fort et plus vite le cœur des pêcheurs sur épave. Alors les dangers, si on se tient au manuel de la Fédération de pêche sportive, il est fortement déconseillé de pêcher sur les épaves, vu le danger que peut occasionner une épave, les taux, l'effondrement des taux, les ferrailles et toutes ces choses. Mais pour moi, c'est pas ça le danger numéro un. Chez nous, surtout en Normandie, compte tenu de la mauvaise visibilité, le courant, c'est les chaluts, les filets, les lignes à congre, tous les fils, tout ça, ça peut vraiment mettre en difficulté le pêcheur apnéiste. C'est ce que je dis toujours, le filet, on dirait que c'est un organisme vivant. Dès qu'on s'approche, on est aimanté, on peut être pris par la montre, le bord du masque. Donc un pêcheur apnéiste à une certaine profondeur, le couteau ne sert à rien, c'est fini. Le conseil que je pourrais donner, c'est éviter de pêcher fatigué, éviter si possible de pêcher sur une épave où il y a du filet, et surtout ne jamais pêcher sur une épave avec une très mauvaise visibilité.
T'as vu un peu? Ouais. Boum! Bien tiré. Bien tiré, hein? Ouais. Vous savez, quand on est arrivé sur la coque, hein, tu vois, c'est un. C'est un Liberty Ship, encore un Liberty Ship qui est posé. Donc là, il est posé sur son bas. Il est posé sur son bâbord ou tribord, je confonds un peu. Et donc on l'a attaqué là directement sur les trous du flanc de, la, de l'épave. Et en fait, ils étaient beaucoup plus loin calés dans le noir. Et au moment où j'avais décidé d'arrêter, eh ben, il est revenu dans l'épave. Ouais, c'est ce moment-là. Il est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ben, t'as vu, j'ai décalé l'arbalète, paf, impeccable. Hein ouais, bien super, bien. Hein. Là, c'est, je sais pas, moi, ça pèse... 4, non? Ouais, 5, peut-être, non? Ouais, 4, ouais, 4. Ouais, ah, tu sais, ouais, 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 non, non. Bon poisson, hein. Mais par contre, on va faire que ce poisson-là sur l'épave, t'as vu, hein. Dès ouais. que je suis arrivé, pourtant, elle n'est pas beaucoup connue, hein. Elle est connue beaucoup des pêcheurs à la canne, qui pêchent au lançon, hein. Bon, bah, c'est bien. On remet en route, on lève l'ancre et puis on change d'épave, hein, on va se mettre sur une route flottante. Hein. Allez, c'est bon. Je suis tout seul à pêcher. Donc là, je vais arriver pile à mon point d'épave. Et quand je vais voir l'épave monter sur mon sondeur, je vais débrayer. Et à ce moment-là, je vais me mettre à genoux comme ça, prééquipé avec mon arbalète. Chargé et hop, je vais partir comme ça, comme si je plongeais d'un plot. Encore et toujours que le gros passe enfin à portée de flèche. Ici encore, l'approche de l'épave doit être la plus discrète possible. Ensuite, ne pas se hâter. Ne pas tirer à la va-vite le premier poisson qui passe devant le trident. Les plus curieux sont les plus petits. Les beaux poissons ne viendront qu'ensuite, précautionneusement. Le chasseur apnéiste doit savoir attendre. T'as vu ça? Oh. Excellent! Hein? Ah ouais, ouais, ouais. Au début, il n'y avait pas de... T'as vu, on a eu du mal. J'ai commencé par les petits parce que... Et t'as vu, l'eau, elle est... L'eau en surface, elle est un peu jaune, tu vois? Ouais. Et puis, au bout, tu descends 1m50, 2m, et hop, l'eau est hyper claire, il y a 12-13 mètres de visibilité. On est sur un grand ponton dans le large, là. À 10 000 et au début il n'y avait pas de poisson et puis dès que le courant a démarré et eh ben voilà, voilà ça part hein. Extra jolie pêche ah ouais, ouais. Wow. Belle pêche hein. Belle pêche attention.
ça. Ça c'est joli. Hein. Ça c'est joli. Bon, pouf. J'ai galéré dans le courant là, les dernières apnées. Voilà. Hein. Et puis incroyable, hein. Plus je tirais, et plus ils arrivaient, mais plus ils arrivaient en bas, si tu veux. Le courant forcissait sur l'épave. Tu sais, j'arrivais en feuille morte sur l'épave, c'est le courant qui me poussait dessus. Ah oui. Donc, mais les trous étaient. Donc il fallait les contourner. Moi j'arrivais sur les trous, j'étais oxy et puis hop, mais bon ils étaient en bas, et puis de temps en temps hop ils montaient, et ceux qui arrivaient à monter, bah tu sais, je tirais comme ça, hop. En bout de trou. En bout de fusil, hein. Ah, oui. Tu vois. Super. Ouais, beau, hein. Bon bah c'est bon, hein. Je tiens à remercier mes équipiers qui se sont improvisés caméraman apnéistes et qui m'ont suivi tout le long de ce tournage. En espérant que ce film vous a plu, je vous souhaite une bonne apnée.